messieurs, bonjour. Il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul, dit-on. Nous sommes ici pour accompagner la ministre d'État, l'honorable princesse de Sandoa, Adel Kainda Maina, qui fête son anniversaire, un anniversaire qui tombe au moment où elle vient d'être élevée au rang de ministre d'État, ministre du portefeuille, au sein du gouvernement Samalou Kondé. Nous sommes ici parce que c'est une femme qui a su faire la fierté de la femme congolaise. Elle a été députée pendant plus de 20 ans à l'Assemblée nationale, donc députée nationale depuis ACLPT jusqu'à aujourd'hui. Elle a toujours été élue dans son fief électoral qui est le Sandoa dans la province du Lualaba. Nous disons que c'est une fierté pour la femme congolaise parce que la femme doit cesser de se plaindre, la femme doit se mettre au travail. Et nous croyons que si Adel Kainda a pu faire 20 ans à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'elle sait se battre. Elle sait maintenir de bons rapports avec son électorat au niveau de la province du Lualaba à Sandoa. Et c'est ce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire. Elles sont élues pour un seul mandat et après c'est terminé. Mais Mama Oyo, depuis à côté Assemblée nationale, est liée depuis 20 ans, Tilelo. Et son combat aujourd'hui a porté les fruits parce que le regroupement politique dans lequel elle évolue avec son parti ALDEC, donc AFDC et Alliés, ce parti-là n'a eu que 4 députés, 4 postes ministériels au sein du gouvernement Samalou Kondé. Mais parmi les 4 postes ministériels, il y avait un ministère prééminent qui est celui de ministre d'État. Mais regardez que c'est elle qui a été désignée à occuper ce poste-là, à animer le poste de ministre d'État en charge du portefeuille. Donc c'est dire que c'est une femme qui se bat et qui fait la différence de par son travail. C'est très encourageant. Nous sommes ici, nous allons vivre cet événement. Nous allons entendre les témoignages des députés, des ministres, de ses amis, de la famille, tous ceux qui sont là pour lui souhaiter. Nous avons un député national qui arrive là. Papa Molière. Une bonne fête. Hein? Oui. Et joyeux. Honorable Boris. Boris. Société Yara. Miguel Ebele, Baksamalissous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Souhait pour l'honorable Adel Kainda. Bon, maman Adel, nous avons été dans une lutte au Four Moulin. Je suis président fédéral de l'AFDC. Ouais. Et c'était vraiment un modèle pour nous. Et ce qui est arrivé, pour nous, ce n'était pas une surprise. C'était prévisible parce que tu es banni. Okay. Elle sait, si elle va me suivre, elle va à TGV. Pour y aller, ta vitesse. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc, c'est cette ambiance que nous allons vivre ici, au grand chapiteau de GB, où la ministre d'État, Adel Kainda Maina, Magina, c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'elle s'appelle Kainda Maina. Et moi, vous le savez, je m'appelle Kaninda Mampinda. Donc, c'est une grande joie de passer ce moment ici avec la ministre d'État. C'est bon, on est ensemble. Yeah.
J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci. Excellence Adel Kaïda, si elle pouvait passer devant pour nous dire pourquoi nous sommes là, c'est elle qui est à l'honneur. Nous avons la joie de l'accueillir. Je voudrais lui exprimer toute ma gratitude
particulièrement pour la célébration de ce jubilé, car en m'accordant un nouveau départ, et il m'a accordé un nouveau nom. Comment pourrais-je rester muette face à un Dieu qui m'a fait autant de bien? Il m'a donné des souffles de vie gracieusement. Il m'a garanti la santé de manière gratuite. Il m'a donné de bons parents responsables. Ils peuvent s'élever et soient appelés. Mes parents. Vous avez vu lever ses parents. Dieu m'a fait grâce aussi. J'ai un oncle chéri qui peut aussi s'élever. Prince Albert. Il m'a donné des frères et sœurs. Il m'a donné des enfants. Des enfants et moi. Il m'a donné une famille extraordinaire. Il m'a fait grâce d'être au pied des pasteurs qui m'ont nourri avec la bonne parole de foi et de la doctrine. Il m'a béni pour mes études. Il m'a accordé son soutien pendant les 21 ans que j'ai passé à l'Assemblée nationale. Il a fait de moi la première femme à être députée dans ma famille et dans ma province. Il m'a accordé d'être la seule et unique femme de toute la République d'avoir brigué et obtenu 5 mandats parlementaires d'une manière successive. Il m'a accordé d'être la première femme ministre d'État dans ma famille et dans ma famille. C'est bien fait pour moi. Sont tellement nombreux et je peux dire aujourd'hui comme le psalmiste dans son sens de rester digne. Comment rendrai-je à l'éternel tout ce bien fait envers moi? Dans Ecclésiaste 9, 11 m'enseigne que sous le soleil la course n'est pas aux agiles, ni la gueule aux voyants, ni les pères aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, je me rends compte que je n'ai rien mérité de toutes ces faveurs dans ma vie et que tout m'a été accordé par la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que je voudrais devant vous tous témoigner la grandeur de mon Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, le célébrer, le louer, lui rendre gloire et honneur, car il est Dieu, le Tout-Puissant, mais également lui demander de me remplir de fruits du Saint-Esprit. Je vous remercie. Nous voulons juste nous préparer pour écouter la parole de Dieu. Mais avant d'en arriver, Jacques va nous emmener à un moment d'adoration. Si nous pouvons prendre un moment de recueillement au travers de ces cantiques pour offrir nos cœurs à Dieu. Pendant ces moments d'adoration. Yahweh,
Dispose nos cœurs à t'écouter et que tout te donne à toi seul gloire. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec toi éternellement dans la communion de l'Esprit Saint. Amen. Un texte qui vient déjà d'être cité par son Excellence, mais que nous connaissons toutes et tous bien parmi les textes des Écritures Saintes. Psaume 116, le verset 12. Psaume 116, le verset 12. En faisant son mot de circonstance, son Excellence a déjà fait allusion à ce texte. Je le lis dans le précieux nom du Christ. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Alléluia. Amen. Pour aller tout droit, c'est le roi David qui parle ici. Nous n'avons pas le temps de faire le récit de ce roi, son intimité avec Dieu, comment il a pu connaître Yahvé d'une manière particulière. Et c'est celui, roi David, qui parle ici. Notre petit devoir, c'est un jour, quand Dieu vous donne le temps, reprenez ce psaume, le psaume 116. Lisez tout le psaume 116. Vous allez comprendre pourquoi David soulève cette question. Il ne veut pas trop m'étendre. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits? Question que vous puissiez relire ce psaume 116 et vous allez tout de suite comprendre sous l'aide du Saint-Esprit. Alors, là où je vais mettre l'accent, c'est quand il dit, il lui répond, David répond lui-même à cette question. Il soulève trois problèmes. Il dit bien, j'élèverai la coupe de mes délivrances. Ça viendra après. J'élèverai la coupe de délivrance. Un autre jour, il reviendra. Il dit, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et la troisième réponse, j'accomplirai mes vœux à l'Éternel. Je vais rester là-bas. Comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous? Non seulement envers David, mais envers moi et envers chacune de nous. Comment le faire? Je voudrais seulement nous rappeler une chose. Le vœu, un vœu, c'est un engagement. C'est une promesse. Qu'on s'engage à faire quelque chose. Et David dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de son peuple. Un de vœux dont nous avons besoin, que nous avons besoin, je veux dire, de prendre et devant Dieu, comme Congolais et Congolais, aujourd'hui, là, chacune là où Dieu nous a placés. Un de vœux, c'est de marcher par la foi dans la crainte de Dieu. N'oubliez pas ça. Un de vœux,
un des engagements que nous tous et toutes, Congolaises et Congolais, à l'heure qu'il est pour notre nation, un des vœux qu'il faut prendre devant Dieu, c'est de marcher par la foi, mais dans la crainte de l'Éternel. Craindre Dieu, c'est lui obéir. Bien-aimé, suivez bien ça. Craindre l'Éternel, c'est lui obéir. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18, la Bible dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit, parole du Seigneur. Amen. S'il vous plaît, nous allons nous mettre debout. Nous allons intercéder. La zone de l'ailleurs, tout le monde, tout le monde est là, ensemble. Prions. Yahweh, Nanguya, Nakumbu, Nakrisu, Yesu, Masia. Je le banaï, recommandé, lui souhaiter tout prier pour le bonheur de notre pays. Car notre bonheur en dépend. Joa loko mo pointe li azala ki moto loko la biso. Il avait les mêmes faiblesses que nous, mais il avait prié avec instance. Bombu la ebetate. Abonde la ki lesus. Bombu la ebetaki. Te recommander président de la République, na président de la République na makoko na yo. Pointe la Bible dit le cœur du roi est un courant d'eau. Entre les mains de l'Éternel, il peut l'agiter partout où il veut. Tout ce qui est gouvernement, Nabiso, en général, dans mon Konayo, Yomoko Kamba Bango, primature, la premier ministre, Bango Nyon, sur mon Konayo. Salela Bango, le Kola, un instrument pour le bonheur encore de ce peuple et surtout pour ta gloire. Tu intercèdes pour la Sénat, Nabiro Naye, Sunga Bango, Salisa Bango. Assemblée nationale na bureau na ye totiki yango pe na maboko na yo sunga bango renouveler intelligence na bango au bazar élément utilisé pour ta gloire et pour le bonheur de ce pays totiki femme de CPMC na maboko na yo entreprise publique nous sur maboko na yo chaque congolaise na maboko na yo tokeko kangambula nyonso ya mabe. Na kombo na Kristo Yesu enoka te. Kasi to fungoli mbula ya benediction, ya bonheur, ya kimia na mboka na biso. Yo nzambe opesa biso mboka oyo,
Amen. Acclamons le Seigneur à son Nous allons toujours nous mettre debout parce que nous sommes dans l'esprit de prière. Nous allons prier pour Maman Princesse. Nous allons nous mettre debout. Je voudrais inviter Son Excellence insiste pour cette intercession. Je voulais inviter ici le président de l'Église du Christ au Congo et représentant les gars de cette même Église, notre frère bien-aimé frère, le révérend docteur André Gédéon Koukondoa, de venir, et Son Excellence Adèle va bien vous approcher pendant que le peuple de Dieu est debout et pour une prière spéciale. Je vais demander avec tous les respects ma fille de vous agir. Adèle Kayinda, je voudrais vous bénir avec cette parole de Dieu à travers ses serviteurs Moïse et Aaron. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Sois béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
remercier. C'est pas, je ne peux pas dire un mot de remerciement, mais c'est un témoignage. Un témoignage de voir que je suis ALDEC, c'est-à-dire présidente du parti Alliance des démocrates chrétiens du Congo, mais j'évolue dans les grands regroupements AFDC et Alliés. Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés, sous le leadership du président du Sénat, l'a imprégné le professeur Bahati Lukwebo Modeste. Les témoignages que je porte, je n'ai pas dit remerciement, les témoignages que je porte, c'est de voir que notre regroupement avait 4 ministères. Donc, un ministre d'État, 2 ministres et un vice-ministre. Mais c'est un cas rare ici de voir que mon regroupement m'alignait à un poste précédent. Ce qui veut dire l'autorité morale a fait confiance absolue à une femme. C'est pour cela que j'ai voulu dire que nous devons bénir notre pays s'il nous donne des hommes genrés, comme l'a imprégné, comme le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, où je lui dis qu'il a passé par la parité qualité. Alors c'est là que j'ai voulu rendre ce témoignage en disant, nous femmes, travaillons et les hommes nous témoignent la confiance et moi je suis un cas d'utilisation. Donc au nom de ces cultes d'action de grâce, je tiens encore à rendre le vibrant hommage à notre autorité première, le professeur Bahati. Wakalakala mwana. Ça justifie parce que le bon Dieu a voulu que nous puissions nous retrouver en ce lieu pour lui rendre grâce d'avoir permis à notre fille, à notre mère, à notre sœur, à notre Jeanne d'Arc, la princesse Adèle Kainda Maina, l'honorable députée présidente du groupe parlementaire de l'AFDC et Alliés, d'être élevée aux hautes fonctions de ministre d'État au portefeuille de l'État. C'est un événement historique et significatif. Les gens cherchent les miracles. Pourtant, ils les vivent tous les jours, mais sans s'en rendre compte. Quand vous prenez notre exemple, l'exemple que nous avons vécu, tout le monde connaît notre histoire. Tout le monde connaît le combat que nous avons mené. Mais seul le bon Dieu reste le juge suprême. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire sans crainte d'être contredit que notre sœur, la Jeanne d'Arc, a bel et bien mérité d'être aujourd'hui élevée à la haute fonction. Cette dame de fer, nous l'avons vue sur tous les fronts. Dans les intempéries, elle a résisté. Face aux menaces, elle a résisté. Dans l'insécurité, elle s'en est sortie.
dans le dénuement, elle a tenu fort. Elle a la détermination. Elle a le caractère. Elle a appris à se battre pour les droits, pour la vérité. Ceux qui ne sont pas contents, le bon Dieu s'occupera d'eux. Mais nous disons avec vous que nous sommes très contents et nous remercions Dieu, n'est-ce pas? Le bon Dieu qui a agi par son serviteur, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a porté sa main avec son bic bleu, pas avec le bic rouge. Il a signé l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement, que nous félicitons tous en passant, et en particulier notre sœur Adèle, que nous festoyons aujourd'hui avec raison. Merci beaucoup à l'honorable président. Je suis d'abord venue soutenir une grande sœur qui m'a toujours soutenue, elle ne m'a jamais laissée. C'est une femme avec un grand cœur, une femme combattante, une femme courageuse et surtout une femme qui craint Dieu, mais aussi qui soutient la jeunesse, particulièrement moi lorsque je suis arrivée à l'Assemblée nationale. C'est une grande sœur qui m'a accueillie et elle ne m'a jamais abandonnée. Elle me soutient chaque jour. Et tout ce que je peux lui dire, je ne doute pas de ses compétences. C'est une femme qui a beaucoup de compétences. Et aujourd'hui, elle a l'occasion de mettre ses compétences au service de la République. Que Dieu puisse l'accompagner. Et surtout, qu'elle ne puisse pas, qu'elle puisse pas laisser sa qualité là, d'aider la jeunesse, d'accompagner la jeunesse, surtout la jeunesse féminine. C'est Madame Gisèle Ndaya Louséba, ministre du genre, famille et enfants. Nous sommes dans la joie aujourd'hui et nous commémorons le bienfait de notre Dieu parce que c'est à lui que nous rendons gloire et honneur. Et aujourd'hui, il a élevé une de nôtres et nous sommes aussi parmi les nominés. Mais aujourd'hui, nous célébrons quand même cette élévation parce que Madame Adèle Ouindo, elle est ministre d'État. Ce n'est pas quelque chose de hasard. C'est un travail abattu de tout le temps et on l'a connue une femme battante. Et aujourd'hui, elle est arrivée là où elle est. Pour nous femmes, nous remercions d'abord le chef de l'État pour le choix qu'il a porté à Madame Adèle. Et aussi, nous le remercions pour faire tous ces choix par rapport à la parité que nous avons milité depuis longtemps. Et aujourd'hui, il y a la parité, il y a la représentation des femmes et aussi des femmes de compétences et des femmes de qualité. Et nous sommes dans la joie et nous remercions seulement Dieu. Et nous demandons à ce que Madame Adèle puisse aller encore très loin et qu'elle puisse remplir la mission qui lui est confiée avec beaucoup d'intelligence, sagesse et aussi beaucoup de travail. Merci. Je me nomme Honorable Hilaire Kasusa Kikobia, élu de la circonscription électorale de Shabunda dans la province de Sud Kivu, dans les regroupements AFDC et alliés du professeur Modeste Batirokwebo. Je vais commencer par dire, par présenter mes sincères félicitations encore une fois, je les réitère, à Son Excellence Adèle Maïna Kaïla d'avoir été promis
au poste du ministre d'État, le portefeuille, qui en aime la vie, c'est vraiment une reconnaissance méritée. Parce que dans les groupes parlementaires où nous avons œuvré avec lui, au sein de l'Assemblée où nous étions ensemble, on s'est bâti pour l'intérêt supérieur, non seulement de la nation, mais aussi de notre regroupement, pendant qu'on ne voulait pas que... Pendant qu'on voulait, bien sûr, dédoubler notre regroupement, nous sommes restés avec elle en train de batailler pour que personne ne puisse dédoubler notre regroupement. Elle a été toujours au front, elle était toujours au front. Et gloire à Dieu, nous avons tenu jusqu'à la fin. C'est une grande joie immense de voir notre fille. C'est notre fille, maman Adèle, c'est notre fille. Fait que nous évoluons à l'intercession à la paroisse et être élevés à ce niveau-là. Et nous sommes là pour rendre grâce au Seigneur, dire merci puisque nous l'avons soutenue dans nos prières. Si vraiment elle est arrivée à ce niveau-là, c'est grâce à nos prières et Dieu nous a écoutés. En tant que ministre de portefeuille, elle a une lourde charge. Et quand elle organise des actions comme ça pour rendre grâce à Dieu, ça témoigne vraiment que son autorité là vient de Dieu, parce que la parole de Dieu dit « toute autorité vient de Dieu ». C'est une servante de Dieu, moi également. Je la connais parce que de temps en temps, on organise aussi des prières ensemble, même en ligne. Et ce que Dieu a fait de nous, c'est vraiment merveilleux. Je manque les mots. Nous ne pouvons dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui bénit, c'est lui qui élève.